Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir les bons côtés de la situation actuelle en amour pour vous. Les bons côtés. Donc peut-être que vous êtes dans une situation plutôt difficile et vous avez de la difficulté à voir le but, les bons côtés de tout ça. Okay, on va aller regarder ça. Je commence bien sûr avec votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Patience. Patience. Les bons côtés, c'est que ça travaille votre patience. Just a little patience. De Guns N' Roses. Donc, les bons côtés. Parfois, on peut voir ça comme pas, c'est pas le fun, là, on attend, on est fou. Il me semble que je suis tout le temps en attente et tout ça, mais ça travaille beaucoup ça, OK? Les bons côtés, les bons côtés. Clairez votre calendrier. Il se peut que ce lien vous pousse à vraiment prendre plus de temps pour vous, à faire des choses qui vous font plaisir, OK? Peut-être ce lien vous pousse vraiment à être dans la joie parce que c'est pas facile, OK? Donc, ça vous pousse à faire quelque chose, en tout cas, de faire du temps pour quelque chose, de prendre du temps pour quelque chose. On va aller regarder. Je vais prendre des cartes oracle pour aller voir le bon côté de cette situation. Je vais prendre mes chamaniques pour commencer. Les bons côtés de cette situation. Parce que parfois, on voit juste les mauvais côtés parce que ça fait mal. Ça pourrait être difficile. Ancienne sagesse. C'est votre situation vous permet de connecter avec les choses que vous savez déjà. Peut-être que vous lisez davantage sur la spiritualité ou les choses au-delà. Ou peut-être que vous lisez des articles ou des livres plus sur des liens ou sur des liens ou aussi sur... peut-être sur la psychologie, OK, pour essayer de comprendre comment vous pensez, OK, mais vous êtes en train de connecter, ça vous aide à connecter avec cette ancienne sagesse, avec ce 5D, OK, avec votre âme, avec votre cœur, votre âme. C'est un lien, cette situation vous aide à connecter avec ça. Des choses que vous savez, votre moi supérieur. Tout est beau. Les bons côtés, c'est que tout est beau. Tout va bien. Même si ça n'a pas l'air de ça. OK? Même si ça n'a pas l'air de ça, ça ne semble pas comme ça. OK? Je suis désolée, parfois mon accent vient. Je ne sais pas si vous dites ça. Ça n'a pas l'air. Parfois, je me dis. Je sais que parfois, vous avez de la difficulté à comprendre mes expressions, hein? En tout cas, it's all good. Tout est beau. Juste les bons côtés, ça a énormément de bons côtés. En fait, c'est un lien divin. Alors, c'est que bon. Ce n'est que bon. Autant que c'est difficile. OK, qu'est-ce qui se passe dans votre situation? Parfois, c'est difficile à accepter certaines choses. Mais votre situation n'a que du bon. Donc, il faut aller chercher ça. Ça, c'est l'ancienne sagesse. C'est les choses que vous savez déjà. Il y en a hein, qui n'aiment pas ça manger du brocoli. Ben, c'est bon pour la santé. Mais pour certaines personnes, c'est pas bon. Peut-être que moi, j'aime ça, du brocoli. J'aime plus le brocoli congelé que je peux faire revenir. Mais, ouais, c'est ça, brocoli. Donc, disons, si on peut comparer ça à ça avec pour l'âme, okay?
C'est comme la nourriture pour l'âme. C'est ça, c'est des vitamines. Croissance. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce livre? C'est ça. C'est cette croissance ou cette ascension qui vient avec cette ancienne sagesse qui émerge. Et le pardon, c'est une autre chose qui se travaille, la patience, le pardon. On a cet amour inconditionnel parfois pour quelqu'un, mais il faut vraiment l'avoir, cet amour inconditionnel. Et ça, c'est avec le pardon. Se pardonner, pardonner à l'autre, pardonner la situation, pardonner surtout les émotions parfois de colère ou de ressentiment qui peuvent en découler, qui est normal, mais il faut balayer ça parce que le ressentiment, la jalousie, la colère, c'est à nous que ça fait mal à personne d'autre, personne. Ça nous fait mal à nous seulement. Les jaloux, quelqu'un de jaloux, ça fait mal à soi-même. Ça revient pas à la personne à qui t'es jaloux, là. Qu'est-ce que tu veux que ça y fasse? Qu'est-ce que tu veux que ça y fasse? On va juste trouver ça irritant. Donc, il y a le pardon ici. OK? Que vous aviez beaucoup, beaucoup, beaucoup compris des choses, okay, que vous ne pensez pas dans le temps, avant la situation. Il y a eu énormément de changements en vous. Vraiment. Vous avez passé peut-être plusieurs saisons à changer, okay, donc ce n'est pas un changement, c'est un changement continuel. Cette situation, c'est perpétuel. Vous êtes en train de changer, c'est un cercle. C'est du nouveau dans le cercle. C'est pas du vieux. Le vieux se tasse une fois qu'on l'a guéri. Le vieux se tasse, puis là, il ressort d'autres choses. Tu sais, quand on nettoie à fond quelque chose, on pense qu'on l'a nettoyé, puis là, après ça, on arrive pour, tu sais, mettons, une vaisselle là, très, très. Un poêle en fonte, qui ça se nettoie pas. Ça se nettoie pas facilement, hein? En tout cas. Moi, je suis bonne avec les comparaisons des affaires, hein? Ah! Vous êtes chanceux de ne pas vivre dans ma tête. OK. Je vais y aller avec d'autres cartes oracles pour voir les bons côtés de votre situation. Je vais prendre mes Sacred Traveler maintenant. Ça vous aide beaucoup, cette situation, après avoir été aussi perdu ou ça a été difficile. Vous êtes dans le travail aussi de vous grounder, okay? De vous ressaisir. Les bons côtés. Commencez maintenant. Donc, ça vous fait. Vous avez des. Il y a du nouveau dans votre vie, en tout cas. Puis ça, c'est vous. C'est vous. Donc, vous pouvez prendre vos premiers pas maintenant dans où vous voulez aller. Ça vous donne. On dirait que ça vous donne le courage de faire plus pour votre vie. OK? Parce que si vous êtes dans un lien très difficile ou votre situation est difficile, ça vous rend plus fort parce que vous devez sortir de ça. OK? Ça vous rend plus fort, stepping into power. Ça vous donne, vous reprenez votre pouvoir. Vous devenez de plus en plus puissant ou puissante dû à ce lien, OK, ou cette situation. Vous êtes fort beyond measure. On ne peut pas mesurer la force que vous avez. C'est au-delà de la force, au-delà de l'imaginaire. Cette force qui vit en vous, en plus, vous réalisez ça aussi. On dirait que vous réalisez que vous êtes sorti d'une genre de guerre ou une bataille avec vous-même. C'est l'âme, c'est tout ce qui a été remué. Et puis, c'est la nuit noire de l'âme, OK?
aussi qui aide. Regardez, on sort de la nuit noire de l'âme plus puissant avec la lumière. Il y en a peu. Où on a cette lumière, on a maintenant cette... on a la capacité de travailler la nuit noire de l'âme, de l'apprécier, de l'utiliser et puis de guérir et de tasser le vieux. OK? Univers merveilleux. Donc, vous marchez dans la beauté de l'univers. Vous êtes vraiment connecté. De plus en plus, vous êtes connecté. Vous êtes connecté avec vous-même. Vous n'avez pas de soucis. Vous ne vous sentez pas seul. Vous savez qu'il y a quelque chose. Fogged in. Donc, vous prenez plus votre temps maintenant. Pour, en ce qui concerne le pardon, OK? Parfois, vous ne savez pas exactement comment je peux faire. Comment je peux faire pour atteindre ça, le pardon? J'ai l'impression que pour plusieurs, c'est quelque chose que vous devez travailler en ce moment ou bientôt, qui okay, ça s'en vient. Et c'est un bienfait, bien sûr, OK? C'est vraiment un bienfait énorme. Lorsqu'on lâche prise et on pardonne, ça peut être difficile, mais on vous dit, prenez votre temps. Allez-y lentement, prenez votre temps. C'est un processus aussi de se pardonner. Allez chez Starbucks. Allez vous chercher un café chez Starbucks. Je vois une enseigne qui ressemble à Starbucks. C'est pour ça que je dis ça. Je vois quelque chose qui ressemble à ça. Ou juste aller prendre un café. Pensez, prenez du temps pour vous. Le pardon, là, se pardonner, pardonner à d'autres, pardonner notre passé, pardonner notre enfance, pardonner, pardonner, c'est vraiment le lâcher prise. OK, ça s'est passé, ça c'est dans le passé. Ça m'a amené, qu'est-ce que ça m'a amené de bon? Aussi, vous allez pouvoir, faites-vous une liste, qu'est-ce que ça vous a apporté de bon? Parce que certainement, peu importe la situation, où est-ce que vous vous êtes trouvé dans le passé ou là, c'est quelque chose qui vous a rendu plus fort que vous n'avez jamais pensé que vous étiez fort comme ça, fort ou forte. OK? Donc, c'est vraiment beau. Il y a énormément de bienfaits dans cette situation, OK, que vous vous trouvez. La patience, aussi de comprendre tout va bien. Et aussi, quand vous avez cette pensée que l'univers... toujours conspire pour faire le mieux pour vous. Travaille pour vous. Toujours, OK? C'est pas des choses qui se passent à vous, c'est des choses qui se passent pour vous. Quand vous allez changer la perspective des obstacles et des défis dans votre vie ou dans cette situation, vous allez réaliser que c'est pour vous, pour votre croissance. Vous allez toujours trouver des bienfaits dans les situations. Je vais aller chercher quatre cartes de « Universe has your back ». Si on parle de l'univers, okay, l'univers qui est merveilleux, qui prend soin de vous. Lorsque je suis connectée à ma présence joyeuse, j'attire plus de support et de soutien de l'univers. Lorsque je suis connectée à ma présence joyeuse, okay, l'espoir est le conduit des miracles. L'espoir, pas l'espoir, ah, j'ai hâte d'avoir ça, j'ai hâte d'être heureux, non. Mais juste l'espoir d'une belle vie, toujours, OK? L'espoir, le mot espoir, pour moi, parfois me dérange, dans le sens que ça nous met parfois dans une énergie de... on est en attente, OK? Donc, c'est une autre sorte d'espoir, OK? C'est pas cet espoir. L'espoir de... c'est plus une carte de manifestation, OK? Le moment que je me réaligne avec l'amour, une direction claire m'est présentée. Donc, on ramène toujours à la joie, à l'amour. Là, vous allez dire, ben oui, hein, tout ça.
C'est un processus. OK? Si vous êtes déprimé en ce moment, donnez-vous du temps. Aussi, il y a des gens pour vous aider. Il y a des choses qui peuvent vous aider. Parfois, ça peut même être le travail de respiration. Ça peut changer les choses. Le plus, the more energy and intention, le plus d'intention et d'énergie que j'amène, que je donne à ma foi, le moins que j'ai peur et le plus libre que je suis. OK? Mais je vais juste traduire vraiment comme il faut. Là, j'aime mieux ça. The more energy and intention I bring to my faith, comma, the more fearless and free I am, period. Plus j'apporte d'énergie et d'intention à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Alors, si tout ça, en fait, cette situation vous amène là à avoir moins peur, à être plus aligné avec l'amour, avec le pardon, avec la sagesse ancienne. La sagesse ancienne, c'est la sagesse qu'on sait au plus profond, que moi je peux vous confirmer lors des lectures. Alors, c'est ça ici. C'est pas mal ça que j'ai pour vous, les amis. Je vais aller chercher une sorcière, là. La sorcière m'appelle. Les bienfaits, s'il vous plaît. Les bienfaits de ce lien, s'il vous plaît. Parfois, je pense que la lecture est terminée, mais... Non. Je me demande de prendre d'autres cartes. Ben, je vais aller aussi chercher des cartes des anges. Rebirth, donc renaissance ici. Ça vous amène ça, c'est du nouveau dans votre vie, c'est renaissance. C'est vous vous défaites du vieux, ok? Vous devenez une autre personne. Partie 2 de votre vie, part 2. Guidance, peut-être que vous apprenez les tarots, regardez ça, c'est les tarots, ok? Donc, il y a peut-être... Peut-être que vous travaillez là-dessus ou vous avez envie d'apprendre les tarots. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas donné de cours. Hein? Je n'ai pas fait de cours. Ils ne sont jamais vus, ça, ces genres de cours-là. On a l'automne, donc ça se passe là, si vous vous posez la question. Mais c'est aussi l'automne, c'est se défaire. On se défait. On se défait. Les arbres se défont de leurs feuilles. Hein, c'est le temps d'un renouveau, une renaissance qui vient après. Hein, avec l'hiver ici, là. Avec l'hiver ici, peut-être même le temps des fêtes pourrait avoir un rapport pour vous ici avec Yuletide. Yuletide, c'est Christmas, c'est Noël. Et on a pouvoir encore. Donc, le pouvoir, okay, vous marchez beaucoup dans votre pouvoir. Vous reprenez. Ce lien vous apprend à faire ça ou cette situation... Où vous vous trouvez, que ce soit au travail ou n'importe quoi, c'est une situation qui vous apprend à reprendre votre pouvoir dans votre vie. Toutes les émotions qui sont difficiles, l'impatience, le ressentiment, puis tout ça, c'est parce que vous donnez votre pouvoir à ça. Vous donnez votre pouvoir à ces sentiments-là, à ça. À l'impatience, à tout ça, vous donnez votre pouvoir, reprenez votre pouvoir. Donnez pas votre pouvoir à ces énergies. Plus on se réaligne, on se connecte avec l'amour, mieux on file en dedans. Cupidon, ah ben, regardez qui vient nous voir, Cupidon. Bonne nouvelle. Nous faisons déferler sur vous d'immenses vagues d'amour, jusque dans votre cœur et dans votre esprit, afin d'éveiller en vous l'amour de la vie. Votre décision claire et nette d'accepter avec joie l'amour romantique a réactivé cet amour.
permettez-vous de le célébrer spontanément, sous toutes ses formes, et d'en apprécier le merveilleux. Regardez ça, si c'est beau. Quelle belle carte. Beau dernier message pour vous, les amis. Ce lien ou cette situation vous amène de plus en plus proche à la vie amoureuse épanouissante que vous désirez. Alors, c'est ça. Merci de liker, de partager, les amis, et de commenter. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye.